Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française de TV Plus Madagascar. Comme à notre habitude, voici d'abord les titres. Le bilan de la bousculade au stade Barré demain à Massen lors de l'ouverture de la 11e édition des Jeux des îles du 26 août 2023 est passé à 12 morts et 85 blessés d'après les responsables de l'hôpital Agiera. 10 des patients sous traitement, dont des enfants, ont été transférés au centre de réanimation, si 7 sont encore dans le coma. Ouverture de l'enquête sur la bousculade qui a eu lieu hier au stade Barré. C'est l'enquête qui révélera les causes de la tragédie et si c'était un acte de déstabilisation ou pas, comme le supposent actuellement certaines théories, selon les mots phares. Le taux d'enfants malgaches souffrant de divers types de pauvreté, notamment sur le plan de l'éducation, de la santé et de la sécurité alimentaire, s'est élevé à 66,9%. Les enfants des zones rurales sont les plus touchés par cette pauvreté multidimensionnelle en raison du manque d'instruction de leurs parents. À l'issue du sommet des BRICS en Afrique du Sud cette semaine, l'Éthiopie et l'Égypte rejoignent les BRICS aux côtés de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, des Émirats Arabes Unis et de l'Argentine, et cela à partir du 1er janvier 2024. Faits divers pour commencer ce point d'information. Le bilan de la bousculade au stade Barré de Massen lors de l'ouverture de la 11e édition des Jeux des îles du 26 août 2023 est passé à 12 morts et 85 blessés d'après les responsables de l'hôpital Achiera. Les soins de tous les blessés survivants ont été pris en charge par le gouvernement malgache. 10 des patients sous traitement, dont des enfants, ont été transférés au centre de réanimation, si 7 sont encore dans le coma au moment où Elisa Herman et Ivar Assat ont rédigé cet article. 12 morts et 85 blessés, tel est le bilan dressé par l'hôpital Agiera de la bousculade à l'entrée du stade Barré de Massna hier après-midi. 52 des 85 blessés sont déjà retournés auprès de leur famille hier soir même, si 33 suivent encore des soins à l'hôpital Agiera. 10 des patients, dont 7 encore dans le coma, ont été transférés au centre de réanimation. Des enfants d'à peine une dizaine d'années figurent parmi les victimes traitées en réanimation. La plupart des blessés souffrent de traumatismes à la tête d'après les constatations des médecins, car après être tombés pendant la bousculade, ceux-ci ont été piétinés. Ce père de famille que nos journalistes ont interviewé a indiqué que sa famille, grièvement blessée à la tête et à la poitrine, était toujours inconsciente jusqu'à maintenant. Selon les familles des victimes, la prise en charge des patients a été assurée par le gouvernement malgache. Toujours dans ce domaine, ouverture de l'enquête sur la bousculade qui a eu lieu au stade Barré hier lors de la cérémonie d'ouverture de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. C'est ce qu'a déclaré cet après-midi au lendemain du drame les mots phares où état-major mixte opérationnel de la province d'Antananarivo en charge de la sécurité des Jeux des îles qui se déroule jusqu'au 3 septembre 2023. C'est l'enquête qui révélera les causes de la tragédie et si c'était un acte de déstabilisation ou pas, comme le supposent actuellement certaines théories. Explication recueillie par Tiavana Doni sur les images d'Ivar Assat. Isso, pode!
Cette image a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux depuis hier après-midi. Bien que l'image ne soit pas bien nette, on peut y voir une marée humaine qui se bouscule pour entrer dans le stade Barea pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux des îles de l'océan Indien pour sa 11e édition. La réaction fut sur les réseaux sociaux. Certains accusent les autorités de manque de compétences en matière d'organisation de la sécurité lors d'événements gratuits, notamment au niveau de l'entrée des spectateurs. D'autres pointent du doigt le manque de civisme des citoyens qui a conduit à la bousculade, causant de nombreux morts et blessés. D'autres avancent même la théorie d'un éventuel acte de déstabilisation pour ternir l'image du régime actuel, ou le contraire. Depuis hier, le nombre des victimes, morts et blessés confondus avait également suscité des polémiques. Si l'État, par le biais du Premier ministre, avait rapporté 12 personnes qui avaient perdu la vie lors de la bousculade, les rumeurs sur la toile avaient fait état de 13 personnes décédées. Les MOFAR, ou État-major mixte opérationnel de la province d'Antananarivo, avaient taire les rumeurs cet après-midi. 12 personnes, bien identifiées, ont péri lors du drame, selon les forces de l'ordre. Parmi les blessés, 33 personnes suivent encore des soins à l'hôpital, si les autres sont tous déjà rentrés chez eux. Les MOFAR, en charge de la sécurité des Jeux des îles, annoncent l'ouverture d'une enquête sur la bousculade qui a eu lieu au stade Barea. L'enquête permettra de déterminer clairement ce qui s'est passé, d'identifier les responsables et de prendre les mesures conséquentes. Selon le contenu de la déclaration commune des trois responsables au sein de l'EMOFAR en charge de la sécurité des Jeux des îles, c'est l'enquête qui révélera s'il s'agissait d'un acte de déstabilisation ou pas, comme le supposent certaines théories actuellement, selon toujours les précisions de l'EMOFAR. Et dans la page économique, le taux d'enfants malgaches souffrant de divers types de pauvreté, notamment sur le plan de l'éducation, de la santé et de la sécurité alimentaire, s'est élevé à 66,9%. Aucun changement notable n'a été constaté par rapport à l'année 2018, a déclaré le directeur général de l'INSTAT. Les enfants des zones rurales sont les plus touchés par cette pauvreté multidimensionnelle en raison du manque d'instruction de leurs parents. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers l'INSTAT, a publié les résultats des enquêtes et les statistiques relatifs au taux de pauvreté des enfants de moins de 18 ans. C'était le 25 août 2023. Gracia Andrienstuer nous en rapporte les détails. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers l'INSTAT, procède à la dissémination des résultats de l'analyse du chevauchement des privations multiples. L'étude s'inscrit dans le cadre du suivi des ODD, Objectifs de développement durable, se rapportant au volet de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Presque deux tiers des enfants malgaches, soit 66,9%, souffrent de pauvreté multidimensionnelle. Cette proportion n'a pratiquement pas changé depuis l'année 2018, où elle était estimée à 67,6%. Environ un enfant malgache sur cinq souffre de pauvreté multidimensionnelle extrême. Bien que ce taux ait légèrement baissé comparé à celui relevé en 2018, la pauvreté multidimensionnelle affecte tout de même beaucoup plus les enfants en milieu rural que les enfants en milieu urbain, selon le directeur général de l'INSTAT. Les huit régions les plus touchées sont Bitsibouk, Merak, Menabe, Atimandjefan, Anjouï, Anos, Yurumbe et Atimotsnanan, où plus de 77,7% des enfants la subissent, selon les statistiques de l'INSTAT. La pauvreté extrême est très élevée chez les enfants dont les mères n'ont aucun niveau d'instruction ou sont illettrés, chez les enfants dont les mères sont séparées ou divorcées, chez les enfants de rang 3 et chez les enfants dont le chef de ménage n'a aucun niveau d'instruction. En termes de chevauchement de privation, l'on note que 7,1% des enfants de moins de 5 ans souffrent de superposition des privations en nutrition, en santé et en eau. Ce pourcentage est plus élevé dans le sud et l'ouest de Madagascar.
L'adoption du code du travail révisé est une nécessité pour garantir le travail décent à Madagascar, selon le représentant de l'OIT ou Organisation internationale du travail. Il répond en effet aux besoins des travailleurs et des employeurs dans la mesure où il a été élaboré en tenant compte des différents paramètres liés aux différentes crises dans la pandémie de COVID-19, entre autres. À part cela, la création d'une agence spécifique dédiée à l'emploi pour les jeunes est fortement recommandée pour résoudre le problème du chômage des jeunes. Kofi Agosu a tenu à ajouter que la ratification de la convention relative à la violence et au harcèlement au travail est également urgente au vu de la situation dans ce domaine. Reportage sur le récit de Mamtine Djemploul. 3 personnes sur 5 sont victimes de violences ou de harcèlement au travail selon les statistiques de ces 5 dernières années. 23% des travailleurs y sont exposés, ce qui est alarmant d'après les précisions. C'est donc pour pallier cette situation que Madagascar doit ratifier la Convention C-190 sur la violence et le harcèlement au travail. En outre, il est urgent de se conformer au Code du travail qui a été révisé et qui répond aux besoins du marché du travail à Madagascar actuellement. Il est important de reconnaître que le droit de chacun à un monde de travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre, est un droit pour tout le monde, y compris les Madagascars et y compris les Malgas. C'est pourquoi j'aime la CTM ainsi que le ministère du Travail et de la fonction publique ont développé les instruments de la Convention 190 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail avec l'appui de l'OIT. Cet instrument-là est disponible et j'invite aussi solennellement le gouvernement à prendre des décisions par rapport à ce dossier. La mise en place d'une structure publique qui facilite l'insertion des jeunes sur le marché du travail est aussi nécessaire selon toujours les précisions. Plus de 500 000 jeunes font leur entrée chaque année sur le marché du travail alors que les offres disponibles restent largement inférieures aux besoins. Ainsi, la création d'une agence spécifique dédiée à l'emploi pour aiguiller les jeunes est fortement recommandée pour atténuer le problème du chômage chez les jeunes. Kofi Agosu a mentionné qu'une avancée en termes de promotion du travail décent et de la justice à Madagascar est déjà notée. Au terme de ses 5 ans de service à Madagascar en tant que représentant de l'OIT, Kofi Agosu a tenu à remercier les acteurs du secteur privé, les partenaires sociaux et le gouvernement malgache d'avoir coopéré avec l'OIT pour la promotion du travail décent dans le pays. Restant encore dans ce domaine de l'économie, le mode de facturation de la dirhama sera dorénavant basé sur le relevé effectué par les agents releveurs de la dirhama auprès des abonnés. La société dirhama est actuellement en train de réformer progressivement ses méthodes de travail. Toutes les 24 régions de Madagascar bénéficieront progressivement du projet présidentiel branchement MOUR visant à fournir de l'électricité pour tous. Elisa Herman, Eric Ranefson. À part les coupures de courant répétées, prolongées, les abonnés de la dirhama se plaignent également de l'illisibilité des consommations réelles sur les factures, puisque la dirhama a recours à de l'estimation sans parler de l'augmentation du coût de l'électricité qui ne correspond pas véritablement à la consommation mensuelle. Ainsi, le mode de facturation de la dirhama sera dorénavant basé sur le relevé effectué par les agents releveurs de la dirhama auprès des abonnés. La société dirhama est actuellement en train de reformer progressivement ses méthodes de travail. Toutes les 24 régions de Madagascar bénéficieront progressivement du projet présidentiel branchement MOUR visant à fournir de l'électricité pour tous. Environ 105 000 compteurs devraient être installés d'ici fin 2023. Sur les 5 000 compteurs prévus être installés de mai à août, 70% ont été mis en place actuellement. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un permis de construire pour pouvoir en bénéficier. Tous les ménages vulnérables certifiés par le FUCTAN comme y étant légalement inscrits peuvent profiter du projet. Le devis d'octroi du compteur et les kits d'accompagnement
coûte 30 000 ariars. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Sulnien Rassamwel Anjamanapsu, et les responsables de Radjirama qui mettent en œuvre ce projet ont effectué une descente pour constater l'arrivée des équipements à Ankadi ce jour. Parlons géopolitique pour clôturer cette édition. À l'issue du sommet des BRICS en Afrique du Sud cette semaine, l'Éthiopie et l'Égypte rejoignent les BRICS aux côtés de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, des Émirats Arabes Unis et de l'Argentine, et cela à partir du 1er janvier 2024. L'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, avec 123 millions d'habitants, et l'une des économies les plus dynamiques au monde pendant la décennie 2010. L'Égypte, qui abrite le siège de la Ligue arabe, est un acteur de poids sur la scène diplomatique. Caroline Dumay de France 24 nous en dit plus. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait insisté pour qu'il y ait plus de pays africains au sein des BRICS. Deux pays ont été choisis, l'Éthiopie et l'Égypte, à l'unanimité. Pour cet analyste, c'est un choix stratégique. L'Éthiopie et l'Égypte sont d'abord des pays très importants sur le continent. L'Égypte est la seconde économie africaine, très bien intégrée non seulement avec le reste du continent, mais aussi avec le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et avec des relations bilatérales déjà établies avec les pays des BRICS. L'Éthiopie est un pays de plus de 100 millions d'habitants où se trouve le siège de l'Union africaine et qui cherche à étendre son influence. Ces pays sont très bien placés géopolitiquement, car proche du canal de Suez. Azali Assoumani, le président de l'Union africaine que nous avons rencontré en marge de ce sommet, s'est déclaré satisfait de ce choix, car c'est plus de 200 millions d'Africains supplémentaires qui seront dans le groupe des BRICS. Cet élargissement va très certainement changer la donne, car à partir de janvier 2024, les BRICS représenteront presque 50% de la population mondiale et plus de 35% du PNB mondial. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se revoit à 19h30 dans le journal en version française. Au revoir.